Deux personnes dont une mineure ont trouvé la mort, mardi au nord de Cap Falcon, Ain El Turk, dans une tentative d'émigration clandestine à bord d'une embarcation pneumatique transportant 17 autres individus, a-t-on appris de la cellule de communication des gardes-côtes d'Oran. La première victime a été repêchée après 4 heures de recherche en mer par les unités territoriales des gardes-côtes. La seconde personne, âgée de 17 ans originaire de Chlef, a rendu l'âme durant son transfert par hélicoptère à l'EHU 1er novembre 1954. Sa dépouille mortelle a été déposée à la morgue de cet établissement, a indiqué la chargée de la communication de cette structure sanitaire. Ces 17 ragasses avaient pris le départ à 2h du matin depuis la plage de Saint-Roch à Ain El Turk avant d'être interceptions par les gardes-côtes, sauvant d'une mort certaine les 15 autres rescapés. Une enquête a été ouverte sur les circonstances exactes de ce drame.